Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous présente un auteur égyptien que j'affectionne tout particulièrement. Il s'agit d'Alaa El Aswany. Vous trouverez en rayon l'immeuble Yacoubian, que je vous conseille vivement. C'est le premier roman de l'auteur, paru en 2002. C'est un véritable phénomène littéraire qui a d'ailleurs été adapté au cinéma en 2006. Dans cet immeuble se déroulent en concentré tous les drames de l'Égypte des années 90. Voici également Automobile Club d'Égypte. Cette fois, le roman nous emmène dans les années 1900, en plein essor de l'automobile en Occident. C'est d'ailleurs lors de la sortie de ce roman que j'ai rencontré Alaa El Aswany lors d'une table ronde au Salon du Livre de Paris, sur le thème « La fabrique de l'histoire ». Qu'est-ce qui fait que nous y croyons? Comment les personnages nous permettent de nous identifier, de pousser les limites de la fiction? Voilà pour moi le véritable point fort de l'auteur, ses personnages. Ils sont lumineux, ancrés dans une réalité à la morale et aux coutumes puissantes. Ils cherchent aussi à exister par leur courage, à se libérer d'un pouvoir sous le regard de la religion. Découvrir les romans d'Alaa El Aswany, c'est pousser la porte vers l'humanité. C'est entrer dans un univers haut en couleur d'une Égypte chère à l'auteur. Alors, lisez les romans d'Alaa El Aswany, vous en reviendrez changé de vos lectures.